tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne. Alors, sans temps donné, idem pour les durées d'épisodes, aucune idée, on verra la fréquence. Pareil, vous l'avez vu à l'écran, vous en doutez, c'est une nouvelle série sur le serveur Underground, donc Underground Reborn parce que c'est le nom de la saison 2. Si vous ne connaissez pas Underground, je vous mettrai un petit lien dans la description pour voir le trailer de Aishi qui est donc le fondateur, le papa de Underground, voilà. Je vous invite vraiment à regarder le trailer. Perso, faut pas lui dire, hein, mais moi j'ai beau le regarder 10 fois d'affilée, j'ai toujours autant de frissons à chaque fois, j'adore vraiment. J'avais adoré la saison 1, donc je suis particulièrement ravie d'être là sur la saison 2. Je vous ai attendu pour me connecter pour la première fois, et ouais, je suis sympa, voilà. Du coup, on va se lancer, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Là, ça peut être très drôle, ça se trouve, je suis pas waitlist, j'ai pas essayé. Et là, point, 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 point. Attention. Ah! Oh! Me voilà! Alors. Donc, découverte. Oh, un bienvenue et tout, au calme. Alors. Et coucou tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Voilà, bon, du coup, je vais vous faire vite fait un petit. Une brève présentation, entre guillemets. À savoir que, comme son nom l'indique, Underground, donc il va falloir survivre tout simplement en souterrain. Voilà. On a déjà du monde sur le serve. Là, il n'y a pas grand monde. De connecter. Pour la liste de tous les participants, je vous mettrai aussi un lien dans la description. Voilà, après il n'y a pas de choses vraiment particulières à savoir. Pour la map, je verrai à vous incruster peut-être une petite image de la map que vous voyez un petit peu les biomes, etc. Moi je me suis pas du tout promenée, hein. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je me connecte. J'ai vu un petit peu sur les vidéos de certains pour ce qui est du décor, etc. J'ai vraiment hâte de me promener. C'est ce que je vais faire. Je vais me promener vite fait au spawn avec vous, je pense. Ce sera une première petite vidéo de présentation, entre guillemets, et mon arrivée, voilà. On va faire ça comme ça. Alors... Je me disais aussi que j'allais certainement voir vite fait après, avant d'aller me... Oh. Avant d'aller me promener... Enfin, où sont installés les gens? Parce que c'est bien beau d'avoir vu des vidéos et des lives, mais bon. Maintenant que je suis sur la map, ouais, je vais éviter de d'empiéter sur les plates-bandes de quelqu'un qui serait déjà installé. Et demander un petit peu où tout le monde s'est mis, histoire de me trouver mon petit coin à moi. Wow. Mais voilà, en gros, hein, nous sommes en souterrain au spawn, et ce sera le cas pour toute l'aventure, bien évidemment. C'est le principe, le concept. Oh! Un être vivant. Aïe! Ah bah merci, bonjour. Oh, mes premiers coups dans la gueule, c'est sympa. Quel salaud. Ok, très bien. Ouais, bah promenons-nous un peu. Alors, personnellement, hein, bon après c'est vrai que je m'émerveille toujours beaucoup, mais je trouve la map absolument magnifique. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte hein, au fur et à mesure des vidéos. Coin du pêcheur, très bien. La structure qui est là. Promenons-nous rapidement. On va se faire, voilà ça. On va se promener un petit peu ensemble, histoire que vous voyez un petit peu tout ce qui se trouve aux alentours du spawn. Est-ce qu'on peut entrer par ici? Et après, je pense que je ferai cut et que j'irai faire comme tout bon démon de début de partie, trouver un petit coin, miner, et tout ça, je vais vous l'éviter. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder. C'est super grand. Ah, portail là-bas. J'aime vraiment le... Ouais, franchement. Je pense que je vais beaucoup me plaire ici. Alors, pour ce qui en est de mes projets, j'en ai pas. Pourquoi? Alors, souvent, quand je commence une série, je sais à peu près déjà ce que je veux faire. Là, pas du tout. Le principe, entre guillemets, du serveur, la survie en souterrain, et du coup, le...
enfin vous voyez le décor, je me suis dit que j'allais me laisser porter, c'est-à-dire que je vais me promener, et quand j'aurai trouvé mon petit coin, c'est que j'aurai une idée de projet. Je vais vraiment m'adapter à l'environnement, je pense, et ouais, ça viendra comme ça viendra, là j'ai pas de projet défini pour le moment. Ça viendra avec l'environnement. Je me laisserai inspirer par ce que je verrai. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Ah, Yana, j'avais pas vu. Ah, quelques animaux, hein. D'animaux. Ok. Regardez. Chevaux de... Très bien. Chevaux invisibles, hein. Ah. D'accord. Ouais, d'accord, c'est des trucs réservés pour mettre nos chevaux. Tac, tac, tac. Très bien, ok, donc des petites écuries au calme. Hein. Ça m'a l'air vraiment super grand. Plouf. Ouais, la canne. Par où ça part? Portail ici aussi. Oh! Je vois une jolie chose en face. On va aller faire un tour. En évitant de trop courir parce que j'ai pas encore récupéré de bouffe. Je ferai tout ça après. Hop. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Oh, d'accord. Bon, on fait le tour, hein. On se promène. Ah bah, il y en a du panneau là. Très bien. Ok. D'accord. Pourquoi pas? Je sens que je vais me plaire ici. Il a l'air d'avoir des gens aussi nets que moi. Ça va être cool. Bon après, il y a une bonne partie que je connais déjà, donc ça aussi, ça va. Ça va aider à bien s'amuser, je pense. Pareil pour les projets, ouais. Il y aura certainement des projets en commun avec plusieurs personnes, et vous le verrez par la suite au cours des épisodes. Voilà. Bon, je ne vais pas vous garder avec moi plus longtemps. Je vais faire une petite ellipse. Je vais papoter vite fait, savoir qui est où. Et moi, voir aussi dans quel coin, quel biome. Je vais aller me poser. Voilà. Donc je vous retrouverai quand j'aurai trouvé mon petit coin. Je vous montrerai le petit coin. Et après, bah, comme une bonne Minecraftienne que je suis, bah, j'irai miner. Hein, parce que là, j'ai un peu peau de couille, quoi. Donc du coup, c'est dur. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis encore au spawn. Je me suis quand même promenée. Et pour le moment, ce qui me plairait le plus, ce serait de m'installer dans un biome feuille. Je vous montrerai après sur la map où exactement quand j'y serai. J'ai mis les waypoints, j'en ai mis juste un pour le moment pour le spawn. Si ça vous dérange pour les vidéos, vous me le dites et je les virerai, je les afficherai pas pour tourner. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le dire dans les coms. J'ai Shorty qui m'a dit que pour rejoindre un des biomes feuille, il y avait un portail via Nether et que c'était beaucoup plus simple. Du coup, il est venu normalement, il est dans le coin. Il m'a dit de le rejoindre et qu'il me montrera ce petit chemin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le chercher. Où est-il? Il m'a dit il y a plein de vaches. Il est au milieu des meumeux. Donc normalement, ça devrait pas trop être compliqué de le retrouver. Je les avais vus tout à l'heure, les meumeux. Ta-ta-da-ta-dam. Promenons-nous, hein. Ouais, j'ai quelques petits trucs du coup. J'ai un peu de bouffe, quelques torches, vraiment les trucs de base là pour le moment. Par où étaient ces vaches? Je me souviens plus. On va se promener, hein. On découvre, hein, c'est. Voilà. Yep. Est-ce que c'était pas. Ah, c'était pas par là-bas. Je devrais le voir de toute façon sur la boussole. Soon, quand je m'en rapprocherai de lui. Ok. Ouais, ça doit être dans le coin. Il y avait les chevaux et il me semble que les enclos à vaches n'étaient pas très 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 loin. Voilà, Shorty, il est là. Il est là. Bonjour. Hop, ah, je vais le suivre du coup.
Parce que Shorty est là, lui, depuis. On est arrivé un petit peu en retard. Il est arrivé, lui, il y a 2 jours. Bon, bah, moi, vous le savez, je vous l'ai dit, hein, je viens de me co. Ouais, on n'était pas là pour le lancement du serveur. On est en vacances. Voilà. Mais bon, on n'est pas pressé. Hein. Ok, donc, bon, bah. Donc, typique Letty, hein, qui va dans le Nether à poil, au calme. C'est pas grave, tout va bien. Heureusement que je suis escortée, parce que, à mon avis, ça risque d'être dangereux avec moi. Ok. Il faut que je prenne cette chose pour de vrai là. Oh, ça lagouille un poil. Après, je. Non, ça va là. C'est bon. Non, mais sérieusement là. J'ai peur, moi. Ok. Ça commence fort. Les minecarts font du bruit. Ah, une vidéo que vous avez sûrement vue. Qui m'a valu beaucoup de fou rire. Ouh, un coin que j'aime pas beaucoup. Oh la vache. Oh. Ouh oui, frisouille là. Hein, hein? Bonjour. Ouh là là. J'espère que ça va se calmer. Ça allait pourtant jusqu'à présent. Le ghast, j'adore. Attends, est-ce que je peux... Je voudrais sortir. S'il vous plaît. Ça lague un poil quand même. Il veut... Ah ça y est, c'est bon, je suis dé... Mais pourquoi il me fout des coups? Quel enfoiré! Ça commence bien, j'arrive, on me jette des œufs à la gueule. Maintenant, je me fais martyriser, violence conjugale. Alors, ouais, par contre, hop, on va se poser 2 secondes, laisser charger tout ça, parce que là, c'est un petit peu Bagdad. Ah, ça va. Bien! Alors, où sommes-nous? D'accord. Je sais pas si on arrive directement dans le biome, ouais, il semblerait. Ouais, je vais faire un petit cut, vérifier que j'ai pas un truc qui se serait lancé pour les lags, parce que là, c'est quand même pas tip-top. Et je vous dis à tout de suite. Et re, vous avez raté la première mort et même pas dans le Nether. Je me suis fait gangbang. En essayant de me promener dans le biome. Du coup, je vais voir pour aller récup le stuff si c'est gérable ou pas. Ça lag beaucoup quand j'arrive ici, alors que ça allait juste avant. Bon, on va voir. J'ai eu un lag en fait à un moment où j'avais 3 zombies sur la gueule. Et donc, j'ai pris beaucoup trop de coups et. C'est le drame. Ouais, alors par contre, ça va être très difficile de récupérer mon stuff. Avec monsieur par là-bas. Oh, regardez comment je lag en plus là. Ouais, je sais pas pourquoi je lag dans cette zone-là. Je vais essayer de faire gaffe parce que. Bon, après, j'avais pas des trucs fous, j'avais vraiment les trucs de base. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais continuer à me promener, voir si les lags se calment un petit peu. Et une fois que j'aurai trouvé l'endroit, je vous reprends un petit peu sur les cordes et on voit. On voit tout ça. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà, un petit re rapidement. J'ai pu m'en sortir parce qu'il y avait plein d'épées en or dans un des coffres juste à l'arrivée. Du coup, j'ai pu faire un peu le ménage et récupérer voilà. Tout ceci. Les diams, c'est Shorty qui était sur le chemin avec moi. J'avais pas encore pioché en fer. J'en ai toujours pas d'ailleurs. Hein. Qui me les a récoltés avec sa fortune. Hein, donc, au calme. Voilà, j'ai mon petit ouvrier avec moi. Pas du tout. Ouais, je vais m'occuper de toute façon hein, de me faire tout ça, mais j'aimerais vraiment bien me poser avant, trouver le coin qui va faire que je vais me dire waouh, c'est là que je veux être. Et sinon, ouais, les lags pour juste avant, en fait, Shorty me disait qu'il y avait pas mal de feuilles qui étaient en train de despawn. Donc il y a de fortes chances que les gros frises que j'avais venaient de là. Là, ça va beaucoup mieux, voilà, comme vous pouvez le voir. Du coup, bah, je suis repartie. On va un peu s'enfoncer dans ce biome feuille et voir si j'ai le coup de foudre hein, pour un petit coin et me poser. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et bah voilà, quelques heures plus tard, on s'est promené un peu. Voilà ce que j'ai récolté en chemin. Je suis pas allée miner ou quoi, hein, c'est vraiment en chemin. Le diam se trouve facilement, les ressources se trouvent. C'est pas un souci. Vous avez raté.
Tac. Une seconde mort, hein, au calme. Ouais, je suis tombée dans le gruyère de la map en me promenant, en fait. Ce qui s'est passé, il y avait juste un trou, hein, de 1. Mais bien évidemment, en dessous, la chute était vertigineuse. Donc, allez, salut, hein, je m'en suis pas sortie, bien sûr. Voilà. Du coup, maintenant, je fais super attention. Dès que je me déplace, je regarde partout. Je regarde tout le temps à mes pieds parce que j'ai super la trouille de retomber dans un trou comme ça de 1. Et c'est un peu fourbe. Donc, du coup, je fais super gaffe. Voilà. Alors, par rapport au waypoint, donc, j'ai mis entrée base ici parce que je me suis arrêtée là finalement. J'ai abandonné le biome feuille tout simplement parce que lorsque les feuilles despawnent, en fait, ça fait énormément laguer. Donc, je vais pas m'installer dans le biome feuille. J'en suis tout près, hein. Je suis vraiment pas loin. Je suis au bord. Je sais pas si on peut le voir sur la. Ouais, là on le voit plus. Et en gros, bah voilà, là je suis au bord du. Je pense que c'est le biome Mesa qui est sur la droite du biome feuille. Je vous montrerai si je peux incruster la map du serveur et je vous montrerai à peu près ce que je viens de dire en même temps. Voilà. Mais je pense que pour le moment je vais rester ici. Je ne sais pas si ce sera définitif. J'hésite encore. J'hésite encore, mais bon, au moins j'ai un petit coin, voilà, où me poser. Je fais pousser vite fait un peu d'arbres. Je récupère des pommes au calme ici. Il y a du monde autour. Alors pourquoi je me suis arrêtée là, truc tout con, c'est la forme en fait derrière fait une espèce de croix marquée. Et du coup, ça m'a plu. Je sais pas, je me suis stoppée là, voilà, pour le moment. Je sais pas. Je pense que je vais, ouais, me faire une base d'arrivée ici. Dans un premier temps, et j'irai peut-être me promener quand je serai un peu mieux stuffée, etc. Voir si je trouve un coin qui me plaît plus. Mais écoutez, pour l'instant, ici, je suis pas mal. Donc, on va rester là pour le moment. Voilà. Un petit peu plus de monde de co. Wow, il y en a qui sont morts. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Très bien. Donc voilà. Donc petit épisode, hein, c'était vraiment histoire de vous présenter le serveur et de montrer quelques petits points de mon arrivée. Voilà. Je vais du coup vous abandonner là. Je vais vous épargner le minage, la récolte de base et la petite exploration pour voir si je trouve mieux pour plus tard. Ça, je le recorderai peut-être sur le prochain épisode à voir. De toute façon, voilà. Vous aurez d'autres épisodes pour vous montrer l'avancement, l'évolution, éventuellement des projets solo ou en commun si on en fait. Voilà. J'espère en tout cas que le serveur vous plaît, que la vidéo vous a plu. Encore un énorme merci à Aichi. De m'avoir donné une place sur le serveur. Ça fait super plaisir. Voilà, je vais m'éclater, je le sens. Pour le peu que je me suis promenée, il y a vraiment des endroits sympas et des idées, des choses à faire. Voilà. Sur ce, je vous abandonne et je vous dis à plus en live.